Ça fait un moment que le site est en ligne et pourtant il n'y a pas spécialement de visites. Tu partages le lien un peu partout sur les réseaux sociaux, tu as quelques visites mais ça reste minime. Alors comment faire en sorte pour que tu aies plus de visites et comment faire en sorte surtout de vérifier que le référencement naturel de ton projet Webflow soit complet? Regardons ça ensemble dans ce guide. C'est parti. Alors avant de commencer l'article, j'ai un petit sondage. J'aimerais savoir si selon toi, le référencement naturel va jouer en fonction du CMS que tu vas utiliser, que ce soit WordPress, Squarespace, Spotify ou autre, ou est-ce que ça va vraiment être tout simplement une bonne pratique des règles de base en SEO qui vont apporter plus de résultats. Dis-moi ton avis dans les commentaires. Alors, au sommaire, aujourd'hui, on va parler donc de référencement naturel spécialement sur Webflow. Alors, ces règles de base vont pouvoir s'appliquer également sur toute autre plateforme parce que ce sont vraiment des règles de base. À nouveau, je ne suis pas un as du référencement naturel. Je fais que suivre les bonnes pratiques et je dois dire que j'ai assez bien de résultats et donc j'aimerais que toi aussi tu puisses avoir plus de traction sur ton site web. Donc aujourd'hui, on va regarder ensemble ce que j'ai prévu. Alors, on va voir d'abord l'importance d'avoir une version mobile de ton site web. On va voir ensuite le choix des mots-clés qui vont être hyper importants. Et donc on va parler de Google Trends, Google AdWords et tout ce qu'il faut savoir pour avoir le renforcement naturel optimisé. Et on va voir aussi comment bien construire ton site web pour que ce soit mieux apprécié par Google, évidemment. Alors, on va parler de l'utilisation correcte des sous-domaines, on va voir comment optimiser l'URL, les mises en place de règles 301, hyper important, euh, l'activation de plans de sitemap, euh, le traitement de la page 404, euh, le robot TXT. Google Analytics et euh, bien sûr aussi euh, d'autres éléments qui vont vraiment complémenter l'ensemble de ce guide. Alors j'espère que ce guide va pouvoir t'aider. J'ai également mis une petite conclusion euh, que je t'invite à aller lire. On va voir ensemble l'entièreté de l'article en vidéo avec quelques petites anecdotes. Tu es prêt Installe-toi, prends ton café, on y va. Alors la première chose qu'il faut penser, c'est bien sûr bien concevoir la version de mobile. Alors Aujourd'hui, des designers créent des versions mobiles avant même de penser à la version desktop. Ouais, c'est comme ça que ça se passe. Donc aujourd'hui, plus de 50% des visiteurs proviennent de mobiles, donc ça peut être tablette et smartphone. Mais ça veut dire aussi qu'il faut bien l'optimiser, bien la créer pour que la visite soit agréable. Si un visiteur arrive sur cette page euh, depuis son mobile et qu'il ne trouve pas ce qu'il recherche, il va revenir en arrière, il va faire précédent, il va quitter la page. Bref, tu auras perdu une visite et euh, ça va signaler à Google que le visiteur n'a pas trouvé ce qu'il cherchait, du coup tu es pénalisé. Alors fais euh, cette expérience d'un utilisateur fois 100 fois 1000 et euh, tu auras un résultat euh, de pénalité qui va jamais te permettre d'être bien référencé sur Google. Alors sur ce point, je t'invite à aller lire l'article au complet où j'ai vraiment détaillé tout ce qu'il fallait faire. Mais donc ici, on va parler des mots clés appropriés pour chaque page. Donc rien ne sert de mettre tous les mots clés sur une même page. Ça c'est des vieilles pratiques, ça ne se fait plus. Aujourd'hui, il faut une page pour un mot-clé bien spécifique. C'est pour ça d'ailleurs qu'on utilise un H1 euh, par page et pas plusieurs parce que sinon, Google ne sait pas de quoi il s'agit et comme il doit gérer des milliards de pages, eh bien, il faut vraiment être super spécifique pour chacune des pages. Ensuite, le SEO sur Webflow, ben, on va utiliser le Google Trends. Alors, pourquoi est-ce qu'on va utiliser Google Trends Alors, Google Trends, d'abord, c'est une plateforme proposé par Google qui est gratuite sur laquelle tu peux accéder et où tu vas pouvoir mettre des mots-clés et voir un peu la tendance euh, de recherche. Donc tu vas par exemple mettre le mot Webflow et tu vas voir que depuis un an ou deux il euh, y a vraiment une pique vers le haut et donc ça veut dire que ce mot-clé commence à être bien référencé. Mais bien entendu il y a Webflow mais il y a toutes les déclinaisons qui euh, y sont euh, attachées. Donc par exemple le web design, euh, la création de sites drag and drop. Euh, la comparaison avec WordPress, avec euh, d'autres outils, et puis tout un certain nombre de questions que les internautes se posent. Et c'est d'ailleurs comme ça que moi, je crée aussi euh, mon contenu, c'est en regardant un peu qu'est-ce que recherchent les visiteurs euh, en ligne euh, sur YouTube, euh, pour que je puisse créer des articles qui apportent euh, un maximum de solutions. C'est d'ailleurs pour ça aussi que je crée des longs articles, pour vraiment apporter toutes les solutions. En une seule page. Alors la deuxième chose que tu vas pouvoir faire, c'est utiliser Google AdWords. Alors Google AdWords, c'est bien sûr pour faire de la publicité. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça ne s'appelle plus Google AdWords, mais ça s'appelle Google Ads, mais c'est la même chose. Bref. Le principe, c'est que tu vas pouvoir faire des euh, simulations. Donc, imaginons que tu veux créer une campagne sur Google Ads et tu vas euh, chercher des mots-clés. Eh bien, Google va d'office te proposer les meilleurs mots-clés euh, liés à celui que tu auras choisi au départ. Et donc, ça va te donner des idées, des inspirations. Donc, même si tu ne publies pas cette campagne, eh bien, tu vas pouvoir simuler et voir un peu les tendances des mots-clés. Donc, c'est super pratique, super intéressant. Ensuite, il va bien falloir à euh, créer du contenu donc je t'invite à créer un blog et à euh, optimiser ce blog pour que chaque article soit aussi euh, bien construit pour que justement euh, au long terme il attire toujours plus de visiteurs parce que le référencement naturel, c'est quelque chose qu'il faut voir au long terme et pas de manière ponctuelle. Donc, euh, écrire des longs articles, c'est une chose, mais il faut aussi qu'ils soient bien construits. Et donc là, j'ai notamment parlé de méta titre méta description l'URL et alors les différentes hiérarchies des headings. Donc, ça veut dire qu'il faut bien, bien les catégoriser pour qu'ils s'affichent dans l'ordre et pour que Google comprenne bien de l'importance des gros titres pour ensuite descendre sur les sous-titres. Et puis, le contenu. Alors, le point 4, on va parler des choix bien pensés de pages principales. Donc, c'est important de choisir ces pages principales, vu que, comme je te le disais, il faut un mot-clé par page principale. Et donc, tu vas, en fonction de ton business, en fonction de ta cible, en fonction de ton client, tu vas devoir imaginer des pages qui vont pouvoir répondre à chacun des mots-clés principaux. Donc, en principe, je dirais que euh, par secteur, on a... 4, 5 mots-clés cruciaux, donc c'est vraiment le noyau du secteur et puis ensuite on va découler d'autres pages, d'autres articles, etc. Mais donc ça veut dire que ces 5 mots-clés vont devoir se retrouver au moins dans ces 5 pages et bien séparés, bien créés, bien imaginés. Alors je t'invite aussi à aller voir l'article pour que justement tu puisses comprendre exactement de quoi il s'agit, euh, parce que le but c'est d'avoir des pages qui soient euh, bien référencées, avec les bons mots-clés. Alors c'est pas la seule manière d'avoir un site et des pages qui soient bien référencées, il y a toujours le méta-titre, méta-description et tout le contenu qui y est euh, aussi bien exposé, bien designé, bien mis en place, mais euh, l'URL fait quand même toujours partie euh, des points que Google prend en compte dans le référencement naturel, donc autant bien les penser au départ. Alors ici je vais parler d'un élément technique qui n'a peut-être pas besoin dans l'immédiat, mais euh, c'est quand même une erreur que j'ai vue fréquemment. C'est des euh, entreprises qui créent des blogs avec un sous-domaine. Alors il faut savoir qu'un sous-domaine, c'est quand on met un petit mot devant le nom de domaine euh, de notre site. Donc au lieu d'avoir trwlennomdomaine.com, on va avoir 3FW.blog.com. Point, le nom de domaine.com, et donc en faisant ça, en fait, c'est super intéressant quand on a un site multilingue. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé car l'outil Wiglot que j'utilise pour tous les sites multilingues euh, fonctionne euh, de cette manière. Mais dans le cas d'un blog, si tu fais ça pour un blog, en fait, tu vas référencer uniquement le blog. Alors, si c'est une stratégie, vas-y, c'est pas une mauvaise idée. Mais le problème, c'est que ça va pas aider ton site principal à être mieux référencé. Donc, tu vas juste booster le blog mais pas euh, le reste peut-être tes services etc donc il faut bien penser à ce que euh, ce que tu comptes en faire avec ce sous-domaine en principe on n'en a pas spécialement besoin d'ailleurs moi mon blog il est sur mon site mais c'est vrai que peut-être pour une autre activité il faudrait juste créer un site pour le blog et du coup on va créer un, un sous-domaine pour vraiment booster uniquement euh, cette partie-là parce que un sous-domaine c'est comme si c'était un autre domaine. Alors le, Google sait bien qu'il est lié à ton nom de domaine principal mais il y a quand même une séparation entre les deux parce que le référencement naturel ne va pas se faire de la même manière. Alors, je l'ai déjà dit, bien entendu, c'est euh, qu'il faut absolument optimiser les métatitres et les métadescriptions. Donc là, je le répète encore une fois euh, avec plus d'explications. Mais donc ça, ça, ça va de soi. Euh, le référencement naturel, la base, c'est la métatitre, métadescription et l'URL. Alors ici, c'est plutôt dans le cas pratique. Alors si tu as des clients euh, que tu récupères, qui ont déjà un site Internet et que tu vas créer pour eux un nouveau euh, projet sur Webflow ou sur euh, une autre plateforme, eh bien tu vas devoir créer des redirections 301. Alors sur Webflow, c'est super simple. Il suffit d'aller dans les paramètres, cliquer sur euh, l'onglet hosting. Scroller un tout petit peu et tu vas retrouver les redirections 301. Et le principe, c'est quoi C'est que si le nom de domaine précédent est non-domaine.com slash nouveauté blog, disons, et que ta version, ben, ça va tout simplement être nommé slash blog, eh bien, tu vas pouvoir, dans la redirection, mettre l'ancien lien puis le nouveau et donc google va comprendre et directement atterrir sur la page en question et ça permet aussi des visiteurs de les rediriger vers la bonne page donc même si euh, l'ancien site était peut-être bien référencé tu ne perdras aucune place vu que tous les visiteurs vont tout simplement être redirigés, redirigés vers cette nouvelle page. Tâche quand même, bien sûr, d'avoir du contenu similaire à ce qui était euh, précédemment sur cette page, parce que sinon, ça risque de fausser les résultats et d'avoir des mauvaises expériences utilisateurs. Et qui dit mauvaise expérience utilisateur, évidemment, euh, pénalité par euh, Google. Alors, ici, c'est un élément un peu technique qu'il suffit de comprendre c'est que l'URL canonique qu'il ne faut pas oublier. Donc, quand tu vas créer sur Webflow, il ne faut pas te soucier parce que tu vas créer. Un nouveau CMS pour un blog par exemple et l'URL canonique va être blog mais euh, chaque article va être lié à cette url canonique donc ça veut dire que il ya un url principal qui est créé google sait bien que c'est l'url principal mais pour éviter le, le, le contenu dupliqué et eh bien il va euh, juste faire le lien avec les articles qui se trouvent euh, liés à ce url canonique donc ça permet en fait d'avoir tout simplement pas du contenu double parce que sinon Google il verrait chaque fois que c'est une page blog 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 non en fait Google sait bien que le blog c'est l'URL canonique mais que tout ce qui suit en fait ce mot et eh bien va être les articles en question et donc du coup ça sera pas du contenu euh, dupliqué au contraire, ça va être beaucoup plus de pages. Et c'est de même pour l'e-commerce. Quand tu vois sur un e-commerce, il y a une page produit. Alors quand tu regardes l'URL tout en haut, il y a marqué produit slash et puis tu as le nom du produit. Mais donc tous les produits ont cette même URL canonique de départ. Et puis il y a une variante qui se met en route et donc là dans Webflow bien entendu tout ça est automatisé grâce au CMS et donc c'est ce qu'on appelle des pages dynamiques. Alors une chose qu'il faut surtout pas oublier c'est de d'activer le sitemap. Alors sur Webflow c'est très facile il y a juste à cocher dans les paramètres d'activer le sitemap. Mais moi ce que j'aime bien faire et d'ailleurs j'en parle dans l'article c'est qu'il faut aller sur Google Search Console et aller euh, implémenter manuellement le sitemap.xml juste pour euh, dire à Google manuellement bah tiens voilà j'ai fait des mises à jour sur le site ou j'ai publié ce nouveau site et donc du coup Google va prendre en compte toutes ces données et va pouvoir euh, faire en sorte de euh, renvoyer les robots dès qu'il sera possible de le faire. Alors, ici, c'est euh, un élément un peu technique, c'est que la page 404, c'est la page erreur que tout le monde connaît. Alors, cette page 404, elle peut être créée de différentes manières. Ça peut être juste un message pour dire erreur, mais le problème, c'est que euh, bah, s'il y a une erreur, tu risques de perdre le visiteur. Donc, ça veut dire que le visiteur, qu'est-ce qu'il va faire Il a deux choix. Soit il fait précédent et il cherche autre chose, soit il se décide, si tu as de la chance, de quand même cliquer sur ton logo et d'accéder sur ton site. Alors, si tu n'as pas justement mis ce logo tu perds un visiteur point zéro euh, tout simplement donc ça veut dire que il faut absolument que cette page 404 soit bien optimisée il faut que tu mettes un lien vers la page euh, peut-être qui est euh, la nouvelle version de la page euh, d'erreur ou tu mets bien ton logo pour dire au visiteur, il bah, y a une erreur, mais clique ici et tu vas t'y retrouver directement. Bref, il faut guider le visiteur avec un lien pour que tu ne perdes pas justement cette visite. Ce serait vraiment dommage euh, que juste à cause d'une page 404... Tu perds des visites. Alors, il faut savoir aussi, c'est que tu peux analyser n'importe quel site et de voir les liens morts, donc les liens qui auraient ce lien 404. Et donc là, je t'invite à regarder sur Google, d'aller cliquer euh, et de faire une recherche sur détecter les liens morts ou les pages 404. Tu mets ton nom de domaine et tu vas directement voir s'il y a des pages qui sont euh, perdues, mortes en page 404. Et comme ça, tu vas pouvoir y remédier directement avec le petit conseil qu'on a vu un peu plus haut de la redirection 301 qui va te permettre de envoyer les visites. Plus sur cette page en question qui est morte, mais sur la nouvelle page que tu auras créée spécialement pour ça. Alors, ici, c'est quelque chose qu'on néglige souvent. Et d'ailleurs, moi, euh, pareil, c'est vrai que je dois dire que tous mes sites ne sont pas parfaitement euh, complétés avec la balise Alt Image. Et donc, en fait, c'est très important. Et d'ailleurs, euh, Webflow maintenant t'aide avec un audit euh, qui, qui est en version bêta, mais qui permet en fait de vérifier si on a bien mis une Alt Image pour toutes, ou si on a bien, en tout cas, indiqué sur l'image de quoi il s'agissait. Alors, une image, on peut l'indiquer en disant tout simplement décorative. Et du coup, Google ne va pas en prendre compte, mais par exemple, si tu vas mettre logo, c'est intéressant de mettre une, une balise alt en disant logo et puis le nom de ta société euh, ou ton prénom. Enfin, si tu es freelance, tu mets ton prénom et, et nom de famille ou juste ton prénom et ton activité. Et comme ça, ça va permettre à Google bah, d'avoir ton image dans les résultats d'image de Google. Et du coup, ça va aider quelque part le référencement naturel de ton site web. Donc c'est important de faire le tour de toutes tes images et dire si elles sont décoratives ou si c'est des images qui peuvent être référencées. Quand je pense par exemple à un e-commerce, il faut bien entendu que les images soient toutes euh, avec une alt-image. Alors heureusement avec le CMS on peut rendre ça automatique. Et donc tu vas te donner à chaque image le nom du produit. Et donc il y aura pour chaque produit une altimage bien dédiée. C'est la même chose pour le blog, pour chaque blog, tu peux dire que l'altimage est en fait le titre du blog et ça facilite les choses, ça évite de les oublier. Alors ici, tu peux aller un peu plus euh, de manière chirurgicale dans le robot TXT. Alors le robot.txt, c'est un petit fichier, c'est juste un petit fichier texte dans lequel tu vas pouvoir appliquer des règles. Alors les règles sont diverses, je ne vais pas rentrer dans le détail maintenant, mais c'est dans ces règles que tu vas dire que certaines pages ne sont no-follow ou follow. Et donc là, en fait, le principe, c'est juste de spécifier, de monitorer vraiment euh, au cas par cas. Euh, des éléments que tu auras envie de cacher, d'autres éléments que tu auras envie de, de, de faire apparaître. Mais après, ça s'arrête pas là. Il y a plein d'options euh, disponibles. Il suffit de faire une recherche sur robottxt sur Google et tu verras qu'il y a plein de scripts que tu vas pouvoir ajouter pour euh, étendre ce script en fait de robot.txt. Alors quand tu travailles sur Webflow, euh, Webflow te donne un lien provisoire. C'est ce lien provisoire que tu vas partager à ton client, que tu vas partager à tes amis, quand, avant même que le site soit réellement publié. Alors bien entendu, quand tu publies ton site définitivement, il faut faire attention de pas publier, euh, de, de justement de pas le mettre en follow de non de domaine provisoire. Donc ça, tu vas dans les paramètres. Tu désactives la, la, la fonction de référencement de ce, cette page, de ce, cette URL en fait provisoire. Et donc ça te permet ça permet de mettre en avant que la version définitive peut être référencée sur Google, mais pas la version provisoire. Ça évite d'avoir du double contenu, deux sites qui se euh, mangent entre eux. Euh, C'est vraiment pas l'idéal. On appelle ça du cannibalisme SEO. Et donc ça veut dire que euh, le double contenu, il faut absolument éviter. Et donc il faut surtout... Euh, désactiver cette fonction. Alors la dernière chose bien sûr pour monitorer tout ça, et d'ailleurs c'est gratuit, je t'invite à aller vraiment euh, le faire pour ton propre site, pour tes clients, c'est de euh, ajouter le, le nouveau nom de domaine ou le nouveau site web sur Google Analytics. Alors c'est gratuit, c'est pratique et tu as tout un certain nombre de data hyper intéressantes pour euh, voir le nombre de visites, le taux de rebond, le nombre d'heures ou le nombre de minutes plutôt que le visiteur reste sur le site, et quelles sont les pages les plus fréquentées. Toutes ces infos sont super importantes pour justement créer de l'optimisation et euh, avoir euh, pouvoir optimiser ben, le site Internet pour de meilleurs résultats. Alors, on est déjà à la fin de cet article. Donc, si tu as la moindre question, je t'invite à euh, remplir le petit questionnaire, le petit quiz qui est là. Et puis, sinon, si tu as d'autres questions, tu peux tout laisser dans les commentaires. Je me ferai un plaisir de répondre du mieux que je peux. Donc, à nouveau, je ne suis pas un expert SEO. Mais mais j'en connais un qui est euh, super euh, expert et dont on va en parler dans les prochains mois. Et donc, tu verras que tout doucement, dans quelques mois, parler euh, de plus en plus de référencement naturel, de techniques vraiment expertes en, dans le domaine. Et donc, l'article ici en question n'est juste un petit avant-goût de ce qu'il faut savoir sur Webflow. Tu verras que dans quelques mois, je vais t'en dire bien plus et on va vraiment aller au profondeur dans ce domaine. Si ça t'intéresse, dis-le moi dans les commentaires, ça m'aidera à créer du contenu prochain euh, plus adapté. On se dit donc à dans quelques jours pour une nouvelle vidéo. A bientôt, salut